Votre machine à laver est un mystère? Plus pour très longtemps. Si jusqu'ici vous faisiez fonctionner votre machine de manière approximative avec l'espoir d'obtenir une lessive parfaitement propre. Avec nos conseils, vous saurez exactement dans quel bac placer chacun de vos produits. Nous vous expliquons également quelle est la quantité de lessive suffisante et quel détergent faut-il utiliser pour laver votre linge à la perfection et éliminer toutes les taches. Ou mettre le détergent à lessive dans la machine à laver. Liquide, en poudre ou en capsule. Le détergent à lessive est le produit qui permet de nettoyer le linge et éliminer les taches. Pour l'utiliser, il existe deux options. La première consiste à verser le produit dans le bac qui lui est associé et convient à la lessive en poudre ou si vous utilisez une lessive liquide. Selon la marque de votre machine, celle-ci comprend généralement trois compartiments différents, et le troisième signalé par la petite icône de fleur. Le détergent à lessive doit être versé dans le compartiment I et I. Le premier est réservé à la lessive de pré-lavage et le deuxième à celle pour le lavage principal et aux produits détachants et blanchissants. Il suffit de la placer dans le fond du tambour de votre machine avant de placer votre linge sale. Pour les capsules, le fonctionnement est plus simple. Quel détergent utiliser pour laver les vêtements? Avant de laver le linge, il est essentiel de trier les textiles par couleur et par matière et de les laver séparément. Aussi est-il important de prendre en compte les instructions de leurs étiquettes. Pour cause, certains vêtements peuvent être abîmés par un lavage en machine et doivent être nettoyés à sec. Auquel cas, vous pouvez nettoyer vos vêtements à sec à la maison. Si de nombreuses personnes choisissent leur détergent en fonction de leur parfum, d'autres conditions doivent être respectées. Pour nettoyer votre linge à la machine, trois détergents seront indispensables. Un détergent lourd pour nettoyer les textiles blancs éteints et les vêtements très imprégnés de mauvaises odeurs, friture, transpiration, renfermés. Ce nettoyant peut être utilisé pour tous les programmes de lavage. Pour le linge blanc, privilégiez la lessive en poudre qui contient plus d'agents de blanchiment et sera particulièrement efficace pour enlever les taches tenaces. Il est également important d'avoir un détergent pour couleur sans eau de Javel. Ce produit ne doit être utilisé que sur les vêtements colorés. Il est également important de vérifier les composants de votre produit à lessive et de lire attentivement l'étiquette de chaque vêtement pour être sûr qu'il est compatible. Pour les vêtements colorés, la lessive liquide sera recommandée. Cette dernière ne laisse aucun résidu blanc et préservera l'éclat de vos vêtements. Enfin, pour les tissus fragiles comme la laine et la soie, optez pour un détergent doux. Pour procéder au lavage, veillez à mettre la machine sur un cycle délicat afin de ne pas abîmer ces matières. Quelle est la quantité de détergent nécessaire pour laver mon linge? Pour connaître la quantité idéale de lessive à utiliser, vous devez prendre en considération trois critères. La charge du linge, autrement dit la quantité de linge que vous mettez dans le tambour, le degré de salissure et la dureté de l'eau de votre emplacement géographique. Cette dernière est précisée sur vos factures d'eau. Il faut savoir qu'un lave-linge rempli a besoin d'environ 35 ml de détergent pour un degré de salissure relativement faible et pour de l'eau moyennement dure. Si vos vêtements sont très sales, il est conseillé de commencer par les détacher en pré-traitant les taches. Vous pouvez par exemple les frotter avec du savon de Marseille ou faire tremper le linge dans un mélange d'eau et de vinaigre blanc. Le bicarbonate de soude est également un détachant hors pair. Dans quel compartiment faut-il mettre l'assouplissant? Beaucoup de personnes se demandent quel compartiment de leur machine à laver. Ce produit rend vos vêtements doux, leur confère une odeur agréable et facilite le repassage. L'adoucissant est incontestablement prisé par de nombreuses fées du logis. C'est le troisième bac de votre machine à laver, signalé par la petite icône de fleurs, qui est réservé aux produits adoucissants. Attention, plus la quantité de l'assouplissant est importante, plus l'efficacité du lavage est réduite. Il est donc important de verser la quantité nécessaire en fonction du volume de lavage. L'équivalent d'un bouchon suffit pour un tambour plein.
L'assouplissant est-il vraiment indispensable? Si se produire en nos vêtements agréable au toucher et laisse un parfum subtil. De plus, ces composants toxiques peuvent provoquer des réactions allergiques chez les plus sensibles d'entre nous. Son impact sur l'environnement n'est pas moindre. Ainsi, son utilisation systématique n'est pas recommandée, surtout lorsqu'il s'agit de produits chimiques. Pour être sûr d'utiliser un assouplissant hypoallergénique et opter pour une lessive écologique, il est recommandé de fabriquer votre assouplissant fait maison sans risque pour l'environnement. Pour cela, vous n'aurez besoin que de trois ingrédients, du vinaigre de cidre, du bicarbonate de sodium et quelques gouttes d'huile essentielle de votre choix. Dans quel bac à lessive faut-il mettre l'eau de Javel? L'eau de Javel doit être utilisée uniquement pour les vêtements blancs. Ce blanchissant puissant permet de laver plus blanc que blanc. Grâce à ses actions désinfectantes et désincrustantes, l'eau de Javel aide également à lutter contre les bactéries et éliminer les taches tenaces. Pour l'ajouter à un cycle de lavage, il est conseillé de le verser avec le détergent. Cependant, si vous ajoutez l'eau de Javel, il est impératif de laver ses vêtements à basse température, inférieure à 50 degrés C, afin de ne pas les abîmer. À quelle température faut-il laver son linge? Plus la température est élevée, plus les enzymes de vos détergents perdent de leur efficacité. Si et seulement si un membre de la famille a eu une maladie infectieuse, il est préférable de laver les vêtements à 60 degrés. De manière générale, il est recommandé de laver les vêtements à 30 degrés. Cette température permet de tuer les germes et les bactéries, d'optimiser l'efficacité de votre produit à lessive et de limiter les dépenses en énergie. Quelles sont les erreurs de lavage à éviter pour un linge impeccable? Certaines erreurs de lavage sont courantes et il suffit d'une petite distraction pour que vos vêtements s'abîment. Pour prendre soin de votre linge, attention aux vêtements qui déteignent. Pour éviter cela, veillez à trier vos vêtements ou à utiliser des lingettes décolorantes. Avant de mettre votre linge à laver, pensez à vérifier vos poches et enlever les mouchoirs qui peuvent s'y trouver. À la fin du cycle de lavage, vous risquez de vous retrouver avec des fragments de papier sur tous vos vêtements. Le choix de la température est également important pour ne pas abîmer certaines matières. La laine par exemple et les vêtements synthétiques délicats ne doivent pas être lavés à haute température. Comme sus dit, un lavage à 30 degrés est idéal pour éliminer les saletés. Enfin, attention au pré-lavage trop agressif, surtout lorsqu'il s'agit de tissus délicats. Privilégiez un pré-traitement manuel avec des produits adaptés.